Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite création avec les articles de la boutique Bibicraft. Je vous remets le lien boutique, article et code promo, tout ça dans la petite barre d'infos en dessous, dans le petit plus. Aujourd'hui, on va faire un pompon, un tassel, un bijou de junk. Pour ce, je vais utiliser les anneaux qui sont normalement faits pour décorer les rideaux. Je vous avais dit que moi, je les détournerais pour en faire un bijou d'album. Donc, nous allons faire ensemble ce bijou. J'ai utilisé de la laine. Alors, celle que j'ai utilisée est fortement mohair. Ce n'est absolument pas la bonne laine à utiliser pour la simple et unique raison que, ben voilà, ça s'en va. Comme elle n'est pas tissée, elle est juste filée, ça tient pas. Dès qu'il y a un truc là, ça s'en va en lambeaux. Alors, je ne sais pas comment va tenir mon bijou. Je ne sais pas comment je vais arrêter ce massacre. Et peut-être que d'ici la fin de mon futur projet, il aura changé. J'aurai repris les décos, mais il aura changé. Ça, il y a de fortes chances. Bref, moi, c'est pour vous montrer comment je détourne et comment je décore ces fameux anneaux. J'ai utilisé une petite fleur au crochet, alors que l'une d'entre vous m'avait envoyé, ou c'est peut-être même moi qui l'ai faite. Je ne sais plus. Toujours est-il que ça se retrouve ici. J'ai choisi ces couleurs-là parce que mon futur projet, dans ma petite tête, c'est sur l'automne. Donc, les couleurs nature, rouge, orange, jaune, l'entrée de l'automne, on a besoin de fraîcheur un petit peu là, mais un petit peu de cocooning. Donc l'aspect laine va beaucoup apparaître dans mon futur projet. Vous verrez ça prochainement. Il va y avoir du crochet d'ailleurs. Donc les adeptes du crochet, à vos laines et à vos crochets, attention, j'arrive. Que dire de plus? Donc il y avait l'anneau, il y avait l'abeille. Vous allez voir donc en musique comment j'ai fait, rien de compliqué, là je vous explique simplement ce que j'ai utilisé. Je vais également me servir des outils que j'avais pris en même temps là de chez Bibicraft. Bon, ils font leur job, mais la matière c'est vraiment pas top. C'est pas une utilisation régulière parce que ils vont pas tenir le choc. Tout comme les petits anneaux qui sont fournis avec les anneaux et l'abeille. Je le mets au début, mais je l'enlève parce que ça tient pas. L'anneau, dès qu'on le touche, il se tord. On peut le tordre à la main. Il ne se ferme pas bien. Comme je le coince à l'intérieur de mon pompon, je ne suis pas sûre du résultat. Donc j'ai préféré venir y mettre une petite épingle à nourrice, tout simplement. Et puis si ça va pas non plus, d'ici que ça me change d'idée, ça va être mis raccordé avec un bout de fil. C'est probablement ce qui va y arriver parce que ça me plaît pas plus que ça. Je vous laisse avec la vidéo de comment je le fais. C'est vraiment le plus simple possible. On fait un pompon, tout simplement. Après, c'est la décoration. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!